Les garçons, j'ai appris une super figure de gymnastique artistique, vous voulez voir? Une roulade avant. Comme ça, tu veux dire? Wow, t'es hyper fort, Sacha. Tu veux bien m'apprendre? Bien sûr. Mais la roulade avant, ça devait être ma spécialité. Vous pourriez me montrer comment faire la roue? Avec plaisir, mais je dois d'abord trouver les tapis de gym. La brille est complètement vide. Ah bon? C'est bizarre, ça. Oui, en effet. Et je me suis aperçu que les cordes à sauter et les ballons aussi avaient disparu. Il se passe quelque chose de très étrange aujourd'hui. Oh! Voilà une mission pour nous. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! On devrait commencer par vérifier que ce n'est pas un coup d'un méchant comme Roméo. Mais pourquoi est-ce qu'il reste planté là comme ça? Va savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut l'arrêter avant qu'il vole plus de trucs. Au chabolis! Où est Roméo? Il a dû aller à l'intérieur. Si on allait voir. Sois prudente, je ne sais pas ce qu'il mijote. Mais ce n'est jamais bon. Roméo, on sait que tu es là. Alors tu ferais mieux de te rendre avant qu'on vienne te chercher. Si on remonte la piste des objets disparus, elle devrait nous conduire à Roméo. Mon plan est vraiment génial. Enfin, tous mes plans sont géniaux. Mais là, je me suis surpassée. Quand les pyjamas déclencheront mon piège, le monde sera enfin à moi. Montre-toi, Roméo. Cool, un skateboard. J'ai trouvé une autre raquette. Oh mince. Oui, oui. Oh, c'est pas vrai. Oh, vous allez finir par monter dessus, oui ou non? Roméo. Oh, salut. Je n'avais pas vu que vous étiez là. Est-ce que c'est moi que vous cherchiez? Tu sais très bien que oui. Qu'est-ce que tu comptes faire avec des tapis de gym, des ballons et des cordes à sauter? Tout ce que je voudrais. Voilà ce que j'en ferais. Ah oui? Mais qu'est-ce qui se passe? Fais-moi descendre. Si j'ai volé tout ce bric-à-brac, c'était juste pour vous attirer ici. Mais maintenant, voici mon véritable plan. Roméo est parti. Là-haut, Bibou cervelle d'oiseau. Je vole avec mon super copieur de pouvoir. J'ai copié tes pouvoirs. Mais tu n'es pas le seul. Vous avez dû absorber les pouvoirs de Bibou, vous aussi. Quoi? Personne n'a le droit d'utiliser mes pouvoirs sauf moi. J'espère que tu as prévu une piste d'atterrissage parce que tu vas vite te ramasser. Ça, tu l'as dit. On se reverra plus tard, Yoyo et Gluglu. Wow! Pour que je copie aussi vos pouvoirs. Ils s'enfuient. On s'envole. Je vais bien. Moi aussi. Voler, c'est mon pouvoir. Je sais comment m'en servir. J'aurais arrêté Roméo si vous m'aviez laissé faire. Utilisez vos pouvoirs à vous. Mais avec des pouvoirs doublés, on pourra le battre en deux fois moins de temps. Oui, et puis voler, c'est vraiment marrant. C'est la première fois qu'on a la chance d'essayer. Hé, hey, vous allez me courir après ou quoi? Allez, les
Et Pyjamasque, on va trouver Roméo. Moi, je le cherche dans les airs et vous depuis la terre. Mais en hauteur, on a une bien meilleure vue. Et puis, c'est beaucoup plus rigolo. Oui. Impossible de repérer Roméo. Tu te sers de l'hibou-vision? Oui, mais je l'appelle chat-vision. Tu as aussi mon pouvoir d'hibou-vision? Attends, je peux essayer. Reculant-vision. Oh, je vois Roméo. Ah non, ça y est, je le vois. Non plus. Le voilà. Oups. Comment tu fais pour voir les choses de très près avec ta hibou-vision? Ah! Et je viens de faire une roulade arrière. Je crois que je vois Roméo de ce côté. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que ça va? Oui, mais je suis coincée. Les garçons, vite, ils s'enfuient. Encore un effort, on va te sortir de là. Voilà. Venez, attrapons-le. Voler, c'est ma spécialité. Pourquoi vous ne vous posez pas? Parce que voler, c'est trop bien. Et puis, si on vole tous, on attrapera Roméo plus vite. Tu peux peut-être nous montrer quelques trucs, comme s'arrêter ou faire un looping. D'accord, essayez de me suivre. Par mes écailles, elle est rapide. Ça, c'est vrai. Allons-y. Les super Zéro, on n'attend plus que vous. Ces pouvoirs de hibou sont plutôt chouettes. Mais quand j'aurai récupéré les autres pouvoirs des pyjamasques, rien ne pourra plus m'arrêter. Venez par ici, mes petits piou-piou. Non, c'est un piège. Arrêtez-vous. Mais tu nous as pas montré comment faire. Oh, par mes oreilles de chat. Yo-yo, rapido. Glu-glu, reptilo, camouflage. Quoi? Non. Maintenant que j'ai copié tous vos pouvoirs, rien ne pourra m'empêcher de conquérir le monde. Roméo, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je m'en tire très bien, au contraire. Avec vos pouvoirs associés à mon génie, je suis devenue invincible. A plus, les pyjaminus. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas été aussi énervée que vous utilisiez mes pouvoirs, on l'aurait déjà stoppé depuis longtemps. Ça ne fait rien, Bibou. On est désolés, nous aussi. On s'est un peu trop emballés à l'idée de pouvoir voler. Et maintenant que Roméo a récupéré tous nos pouvoirs, on va avoir besoin de rassembler toutes nos forces pour l'arrêter ensemble. Bien. Mais d'abord, je vais vous apprendre quelques trucs. Cool. J'étais tellement jalouse de vous voir utiliser mes pouvoirs que je n'avais pas réalisé à quel point c'était rigolo de les partager. Merci de nous avoir appris à voler. C'est super chouette. Et c'est encore plus amusant que je ne l'imaginais. Oh, regardez, voilà Roméo. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ces pouvoirs sont incroyables. Roméo, tu ne garderas pas nos pouvoirs une minute de plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Casser mon super copieur de pouvoirs que j'ai mis hyper longtemps à construire pour libérer vos pouvoirs? Oui, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Oups, ce serait une solution, c'est vrai. Mais d'abord, vous allez avoir affaire à mes glu-glu méga-muscles. Rappelez-vous les garçons, suivez-moi et ça ira. Hop, on décolle. Ha, glu-glu main collante. Vous avez entendu Roméo, tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer son appareil. Bibou! Yo-yo, rapido! Maintenant, on va l'encercler! Yo-yo, acrobato! On va tous utiliser notre Bibou Tornado et on va lui faire s'envoler le copieur de pouvoir des mains! Bibou Tornado! Ça fonctionne! Plus fort encore!
suivant, vite! Bienvenue, votre volante! Encore un petit effort! Les pyjamas, mais je n'ai pas besoin de vos pouvoirs ridicules pour régner sur la Terre. Vous verrez. À bientôt, Roméo. Maintenant, on va devoir ranger toutes les affaires dans l'abri de l'école. Pyjamas, on crie hourra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Salut les garçons. Sacha, tu veux refaire la roulade avant? Oui, enfin, si ça ne t'ennuie pas, bien sûr. Bien sûr que non, la roulade avant, ce n'est pas ma spécialité. Et ça sera beaucoup plus rigolo si on la fait ensemble. Oups, à mon tour. Oups.